a dit, Fanfan, ben, mets les mains dans la graisse, ouais, oui, tu veux mets les miennes, ouais. Et le gicleur, tu tournes la vis dans l'autre sens, oui, mais dans la graisse. Ouais, attends une seconde, quoi? Michel, le plumeau, si je le connaissais? Ah ben oui, je le connaissais, et puis je ne connaissais pas, vu qu'est-ce qu'il a fait, là. Oh ben, il nous arrivait, et le Michel, il nous arrivait de jouer au bout, là, c'est normal entre cousins, mais là, vu qu'est-ce qu'il a fait... Hein? Oh ben, il habitait en face du garage, là, juste en face, là, la maison avec les volets-beaux, là. Ouais, c'est là, ouais. Ah ben, moi, je le voyais tous les jours, hein, Michel, hein. Michel! Oh, il avait un sale caractère, Michel. Oh, il aimait pas avoir tort, hein. C'était une vraie tête de l'art. Hein. Oh, une tête de con. Oh, pour moi, le point de départ de toute son histoire, c'est son licenciement, Michel. Hein, puis sa femme qui s'est tirée avec le représentant de commerce, ça l'a pas fait marrer, ça, Michel. Hein. Dernière fois, qu'est-ce que j'ai vu? Que je dise pas de conneries, c'était hier matin au soir, à peu près. Oui, c'était en temps 8, quoi. C'était le jour du massacre, quoi. Ah ben moi j'étais là, j'étais dehors, hein, je sortais les poubelles, hein, parce que j'estime que c'est pas une femme de sortir les poubelles. Hein, bon bref, ça c'est encore autre chose devant la télé. Hein, et puis là, il y a Nadine, il y a ma femme, cette connasse là qui me dit, dis non, as-tu entendu tout ce barouf chez Michel qu'elle me fait? Alors bon, ben moi pour plaisanter, je lui dis, bon ben il s'est quand même décidé à lui mettre la chicorée, elle l'aura pas volé. Et puis, ben non, là-dessus, le temps passe, ça m'était sorti de la tête. Moi, je m'étais remis sur mon lagounin, là. Sur BODX qu'on a rentré, là, il y a 2 semaines, là. Ah, ça marche fort, ça, attention. Ah, ben là-dessus, quand tes godasses font de 5, là-dessus, tu chopes le 200 finger in the nose. Et t'es pas taqué, hein. Ah non, c'est de la bonne bagnole. Il y a Ramos, là, le tuyé, là, le voisin de Michel, là, le Portos. Il a la même, il me l'a amené quand c'était vendredi dernier 8, là, il me l'a amené pour en révision son Laguna. Là. On lui a monté un petit peu pour plaisanter la pression du turbo à 50 bars. 3,15 il l'a monté sur le périph', 3,15. Ouais, il s'est fait peur. Hein. Ah, il a été choqué là, bon, ça. Ah, il rentrait chez lui et tout, sa femme est venue me chercher et tout. Alors j'ai été loin et tout, il répétait 3,15, 3,15. Alors le docteur Mounier et tout est venu et tout, hein, attention, non, il est devenu amnésiaque, je sais pas quoi. Hein. Enfin ouais, moi j'ai dit, hein, bon, il avait jamais été très fut-fut non plus, hein, le Ramos. Hein. Ben, il est portugais de père et de mère aussi. Là. Mais là il s'est fait peur, hein, non, là il s'est fait mal, il s'est scanté la santé. Là. Ah non, ça marche très fort, ça décoiffe même le crépu. Hein. Et 87 chevaux en liberté, attention, ça fait du barouf. Hein. Surtout que là, je me suis fait le petit plaisir qui va avec, là. Monter la petite sono qui va bien là-dessus, là. 15 000 watts efficaces, j'ai mis. Normalement, c'est du matos prévu pour du concert en plein air, mais là... On a démonté la banquette arrière. Faut savoir que quand t'es derrière, rien qu'avec les basses, même au minimum, tu chopes la chiasse à tous les coups. Eh ben, la première fois que j'ai monté le volume avec ma femme, j'ai été lui montrer un petit, pour faire un petit tour, la surprise, quoi. Hein? Ah ben, la surprise, on s'est fait mal, hein. Je me suis esquinté, j'ai fait une fracture du périnée, moi. Ma femme qui était à la place du mort, elle nous a fait une descente d'organe, ma femme. Ça, c'est à cause du Dolby, parce qu'il faut pas le mettre quand t'es ouvert plein gaz. Parce que là, ça rase, quoi? Oui, ben oui, non, alors moi, oui, alors Michel, alors... Bon, moi j'étais là, hein, je montrais à ma fille comment on passe un coup de polish bien propre sur une bagnole. Hein, ça c'est normal, ça c'est la transmission du savoir. Alors je lui explique, hein, ma puce, bon ben coton bien propre, je lui dis, hein, les guitares à l'équerre, hein, tout pour amortir les vibrations du coton. Hein, c'est des trucs à savoir, ça c'est pour... parce qu'avec les produits qu'ils font maintenant, surtout sur les peintures métallisées, tu les niques à tous les coups. Ils m'en ont niqué un, le capot, la semaine dernière encore, en atelier. Heureusement, bon, ben là, j'ai un copain, là, un voisin qui fait de la fresque sur carrosserie, là, un artiste, hein. Un italien, là, Truong. Ah, très fort. Hein. Il nous a refait entièrement le capot, il nous a... Sur un côté du capot, il nous a fait une tête de mulet crinière au vent, comme ça, fondu, avec une tête de bonne femme chanteuse, là. L'autre, là, Annie Cordy. Ouais. Non, le client n'a pas voulu, mais il a dit c'est propre. Eh ben non, là je vois Michel qui déboule de chez lui, ouais, avec son fusil.
Oh, ben, je vais me dire moi-même, là, il y a un hic, il y a quelque chose qui va pas, que je vais me dire. Hein. Là, je le vois, dis donc, il enjambe la haie de chez nos voisines. Hein. Deux bonnes femmes qui vivent ensemble. Enfin bon, bref, ça c'est encore autre chose, ça c'est l'époque. Hein. La société française, bref, bon. Hein. Alors, il y en a une des deux qui est en train de se faire de bronzer à moitié à poil. Bon, ben moi, je regarde sans regarder qu'est-ce qui se passe. Là, je vois Michel, dis donc, il s'approche de l'autre, derrière de l'autre. Il se met au-dessus de... Il dit, yon la tafouine, on se fait dorer les miquettes. Il lui dit, ah l'autre, t'as pas le temps de dire où. Bim ! Il fume à la voisine, yon. Ah ben là, j'ai yon, et j'ai me dit en moi-même, là, Christian, c'est en train de virer chocolat. Hein, garde tes miches et baisse le museau, oui, que je veux dire. Et non, non, là, l'autre, là, pas le temps de dire rien du tout. Il s'approche de moi, il se met en face de moi, il me regarde avec ses grands yeux ouverts fistement, comme ça. Alors là, dans des moments comme ça, tu perds toute fierté, là. Ah, moi, j'ai mouillé les couches, attention. Hein. J'avais les commissions dans le filet, comme on dit. Hein. Ouais, ma femme qui était derrière les tuyaux, elle était planquée, elle me disait que je tremblais comme un diesel, que... Hein, que, ben, que je me serais approché de lui, que j'aurais dit, j'aurais fait la bise, que je me souviens pas, que j'ai dit, Pépin la Bulle, on se balade. Parce que quand il était petit, on l'appelait Pépin la Bulle. Tu sais, non, qu'on met quand on est jeune, c'est alors, là, silence radio, là. Et, il me regarde comme ça, il me dit, Pépin, il a des problèmes. Enfin, je lui dis, il y a un Pépin, ou là, pour le détendre. Alors là, à le temps de rien du tout, ça le fait pas marrer, il met deux balles dans le fusil, le temps de faire un pas en arrière, bim, il me fume tout le G9. Hein, à poubelle la calèche, hein, que dit, hein. Ah non, 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 l'espère est passé ce matin, moi j'y touche pas, deux trous dans les chaussettes, le nez qui coule, je laisse tomber. Quoi ? Eh bien moi j'essaye de parler avec lui, j'essaye de parler avec Michel, je lui dis écoute Michel, c'est pas grave, hein. Ben vous essayez de parler, j'ai dit bon ben écoute, ma femme m'aura dit que j'aurais dit que bon ben écoute Michel, hein, c'est pas grave, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller boire l'apéro, que je lui ai dit, hein, histoire de gagner du temps quoi pour la... Et là-dessus non, là-dessus il y a Toby, mon cabot qui débarque, t'es quel argentin croisé hérisson qu'on a trouvé dans une décharge, et alors là il y a Toby qui s'amène. Alors, bon, ben, perdu pour perdu, je lui dis, bon, ben, attaque, Tommy, la mouflette ! Ah, il était courageux, c'est courageux comme cabot, ça. Hein ? Ah, ben, l'autre, attention, l'autre, il avait fait 10 ans de rugby, il l'a vu arriver, hein, le cabot. Hein. Ah, ben, drop, renvoie au 22. On l'a jamais retrouvé, d'ailleurs, hein, le club. Hein ? Non, 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 là, non, là, coup de chat pour moi, son fusil sans règle. Alors il y a ma femme qui sort derrière les tuyas, elle me dit « Cours Forest, cours !» Elle me dit. Alors là j'ai pas cherché à quoi que ce soit, là je me suis tiré, j'ai cavalé, ils m'ont arrêté à 800 km d'ici, alors, là, j'étais en chaussette, ils m'arrêtaient pas, je terminais, on vous dit, là, les articles, l'Antarctique, hein. Non, bah de la Corse, quoi. Mais Kamel, il était là. Hein? Comment c'est la télévision qui est là. Quoi? Non, c'est à cause de l'eau, là, Michel et la plume, là. Non, je te rappelle, quoi? Quand tu mets deux barrettes de shit. Ouais, tu fais comme pour toi, je te rappelle. Quoi? Je le connaissais, Michel, moi. Que j'étais empoché de dans la même société que lui, moi. J'étais société Chancel, là. J'étais comment j'étais en contrat LTE là-bas. Laisse-toi enculer là. C'était les stages pour les jeunes délinquants là. Quoi? Ouais, c'est là que j'ai rencontré Michel. Ouais. Mais c'est quand c'était le chef de service, Michel, ouais. Hein? Michel? C'était un vrai enculé, Michel.
Les jeunes, ils pouvaient pas le blairer. C'est moi qui ai chié sur sa tombe samedi soir, bien entendu. Parce que comment il aimait pas les noirs et les arabes, Michel, c'est pour ça. Hein? Non, c'est à cause de son père. Parce que quand son père il était au Front National, son père. Parce que quand son père avait fait la guerre d'Algérie, son père. Puis là-bas, il s'était fait enculer par des berbères, c'est pour ça. Ouais, c'est un fils d'enculé, Michel, bien entendu. C'est pour ça qu'il était au Front National, bien entendu. C'est son père, il était revenu le tuer en feu de la guerre d'Algérie, c'est pour ça. Quand il a tourné faux et dans l'usine, là, moi j'étais là. Hein. Quoi? Comment il est rentré comme ça? Comment il tirait sur tous les gens? Il tirait comme ça? Il tirait comme un robot? Là, il m'a vu comme ça? Il a essayé de me dégommer? Moi, j'ai fait comme ça? Là, comment le coup de feu est parti comme ça? Après, j'ai fait comme ça? Là, après, j'ai bondi comme une gazelle comme ça? Je me suis jeté dans les poubelles. Quoi? Moi, je voulais poser comme question. Pourquoi nous, on n'a pas les mêmes chances que les autres, non? Pourquoi les pauvres, c'est toujours les noirs et les arabes, pourquoi? C'est pas normal, ça, monsieur. C'est pour ça que nous, on casse tout, bien entendu. C'est la vérité, ça, pourquoi? L'autre soir, hier matin, ma voisine et tout, une gentille dame et tout, madame Bilococo. L'autre, elle se fait keblo par les keufs, elle est sortie de l'école et tout, elle va chercher ses 7 gosses et tout. L'autre, elle se fait keblo par les keufs. Les keufs, ils la bloquent comme ça, ils lui disent, où tu vas comme ça, frisé au lardon, il l'appelle. Frisé au lardon. Après, il y en a un, il est cassé un œuf sur la tête, pourquoi il fait ça? Ils en ont marre, les jeunes, bien entendu. C'est normal, regardez les jeunes maliens qu'ils ont jetés dans la Seine et tout à Paris, là. Et l'autre qu'ils ont buté dans le commissariat, les aérois, là. Pourquoi ils font ça? C'est pas gentil, ça, monsieur, quand même. Hein? C'est pour ça, quand je vois des mecs genre Michel qui pètent les plombs, moi, ça me fait chaud au cœur, la vérité, bien entendu. Ça en fait un de moins sous de notre gueule, bien sûr. C'est malheureux, mais c'est comme ça qu'ils pensent les jeunes, non? On a trop l'aine, bien entendu. Il y a mon frère Noureddine. Noureddine! Mais Noureddine, il a assez intelligent! Il a... Quel est Noureddine, quoi? Il est assez intelligent, il se relève pour l'autre. Quoi? Il dit... Il y a une pour ne pas ton cul, Noureddine, c'est la télé! C'est quand il se cache et tout, là, c'est mon frère Noureddine. Quand il s'est fait cramer la gueule en fabriquant une bombe artisanale. Il a vu les plans sur internet et tout. Et maintenant on dirait un barbe à papa maintenant. Tu sais, quand il a plus de nez, plus d'oreilles, plus de yeux, plus rien du tout, plus de cheveux. Hein? Il a toujours l'haine, bien entendu, il a toujours l'haine. Quoi? Qu'est-ce qu'il me fait tout? Bien sûr, ils vont sortir, qu'est-ce qu'il me fait tout? On dirait que... On dirait que la porte était sortie, ils l'ont bloquée, c'est pour ça. L'autre est comment assistante sociale, là, l'autre il me prend de haut et tout, elle me dit, vas-y, tout fait que accroche-toi, elle me dit comme ça. Moi j'ai dit, qu'est-ce que tu me fais, salope, qu'est-ce que tu me dis là? À quoi tu veux que je m'accroche? À ton bureau, non, une branche d'arbre, tu vois, comme ça. L'autre est rigolé et tout, elle dit non, accroche-toi dans la vie, elle me fait comme ça. Je dis, si je m'accroche et je peux pas bouger, qu'est-ce que tu me racontes, hein? L'autre, il rigole et tout, il me prend de haut et tout. Il dit, mais non, non, il rigole, accroche-toi comme ça. Hein? Là, je lui ai mis accroché direct. L'autre, comment il voulait m'accrocher à la misère, bien entendu. C'est comme l'autre bâtard, là, le maire, là, le communiste. René Caillou, vous connaissez, non? T'étais au courant des histoires et tout, là? Ouais, ça s'est passé ici, ouais. C'est pendant les élections. L'autre,
L'autre, il nous fait halluciner tout pendant les élections, il vient ici, là. Cité des roses bleues. L'autre, il vient, sans carte de courant, rien de lourd, il vient avec un paquet de bonbons, l'autre. Quand des fraises de Tagada. L'autre, il est tout joyeux et tout, il vient ici. Quand il donne des fraises Tagada aux enfants et tout. L'autre, il s'approche, l'autre caillasse, là, il s'approche de Kamel. Mon cousin, quand il sortait de prison pour violence et barbarie sur personne âgée. L'autre, caillasse, il s'approche de Kamel. L'autre, est trop ouf et tout. Et l'autre, il lui donne une fraise Tagada, l'autre. À Kamel. Il lui dit, c'est bien les jeunes, ensemble, on va reconstruire l'avenir. Il lui dit comme ça, à Kamel. Kamel, il lui dit, bouge pas, je vais te l'arranger, ton avenir, bâtard. Là, il a fait comme le coup de la menthe religieuse, comme ça. Hein? Comme ça, il a brisé la carotide, comme ça, l'autre, il est tombé comme une merde et tout. C'est comme si les jeunes qui voulaient le finir et tout, hein. C'est les keufs qui l'ont sauvé, les enfants, ils voulaient lui faire manger des cailloux et tout. Il s'appelle René Caillou, c'est pour ça. Maintenant, l'autre, il est au Front National, maintenant, l'autre. Et de toute façon, on va le niquer tôt ou tard, on va le niquer, on sait l'habiter tout. Quoi? Non, mais comment, moi, je voulais poser comme question, la télévision, là, comment on peut faire, par exemple, si on veut travailler à la télévision, un truc comme ça? Faut être feuge, non? Vous ne rien, non? Le Kamel, quoi? C'est comment si vous avez besoin pour des trucs de sécurité, des trucs comme ça? Parce que j'ai fait de la bourse thaïlandaise, pour ça. Quoi? Du kickboxing. Tu connais Jackie Chan? Jackie Chan? Tu connais, non? Et Jean-Claude Van Damme, tu connais? Il a l'air un peu branleur, lui, non? Fait comme Lily Marsop. C'est qui gagne le plus de thunes à la télévision? C'est PPDA, non? Et comment, en vérité, PPDA, c'est un homme ou c'est une femme, lui? Quoi? Oui, si, je connaissais très bien Michel. Parce que j'ai été en classe avec sa sœur Martha. Là, pour moi, Michel, il a piqué un mauvais délire, là, Michel. Il a dû tomber sur une mauvaise cam ou quelque chose. Ça arrive, moi, une fois, je me suis shooté avec du nougat, une fois. Parce qu'il restait que ça chez ma mère. Mais c'est pas bien. J'ai 4 jours de coma, j'ai fait. Parce que j'ai été sauvé de justesse par Chantal. Chantal, c'est mon chat. Elle m'a descendu de mon lit et elle m'a accompagné à l'hôpital avec ma bagnole. C'est la vérité. Même le docteur Mounier, il a dit, c'est extraordinaire qu'est-ce qu'elle a fait, Chantal. Il a dit à ma mère qu'il me restait 1 neurone, il a dit le docteur Mounier. Et que si je continuais à jouer au con, que j'allais le perdre, le nom. C'est pour ça que là, je suis un traitement pour le fortifier, le neurone. Et ce sera très long, il a dit le docteur, parce que c'est extraordinaire, non. On est 2 en France à avoir un neurone. L'autre, il s'appelle Morandini, l'autre, ça. Je connais pas. Mais moi, j'ai pas le droit de travailler. Il veut pas le docteur. Ce qu'il a dit, c'est que ça serait trop dangereux, il a dit. Surtout pour les autres, parce que j'ai pas l'air comme ça. Mais...
L'autre soir, je me suis engueulé avec ma mère. Je lui ai bouffé la joue à ma mère. Parce qu'elle m'avait caché ma méthadone. Et là, là, ça va mieux. Juste que j'arrête mes conneries, parce que je m'en sortir. Parce que j'ai 15 ans. Oui, je sais, on ne le dirait pas parce que ça, c'est à cause de la drogue. À 12 ans, déjà, j'avais plus de dents à 12 ans. Parce que c'est à cause de l'héros. Mais comme ma mère, elle n'avait pas d'argent pour me payer un casse-noix, j'avais collé un dentier de vampire en plastoc. C'est là que je me suis fait renvoyer de l'école. Parce que je faisais trop peur aux autres gens. Mon père, lui, il s'en foutait, mon père. Mon père, il s'en foutait à l'époque, lui, il tournait facile 15-20 litres au sang, mon père. Il est mort à 30 ans, mon père. Il voulait pas être enterré, il avait demandé qu'on le trempe dans du Ricard et qu'on le fait cramer. Parce que l'alcool, c'était toute sa vie, hein, mon père. Tournait avec tout ce qui lui tombait sous la main. Ricard, tequila, ouais, spirit. Jusqu'au super samplon. C'est ça qui l'a tué, mon père. 6 francs de litre. Quoi? Non, Michel, il ne se droguait pas, Michel. Il ne respectait pas la drogue, Michel. Il respectait rien du tout, Michel. Lui, c'était boulot, boulot, boulot. Si, quand il s'est fait licencier, là, que sa femme est partie, il était très nerveux, Michel. Non, il y a sa sœur Martha qui est venue me voir. Elle m'a demandé si j'avais pas quelque chose pour le détendre, un truc. Mais je lui ai donné ce que j'avais, deux, trois extasies avec un restant des roses. J'ai dit de faire un gâteau et de lui donner sans lui dire. Non, je n'ai pas une nouvelle. Hein. Pas un merci. Hein. Mais là, j'arrête parce que... Parce que là, je veux m'en sortir. J'ai très bien parlé à ma mère. Je lui ai dit que je veux m'en sortir. J'ai demandé pour faire un stage pour être jardinier. Pour m'occuper des fleurs. Faire pousser des graines. Ouais, une seconde, merde! Je vois pas que je pisse, merde! Tu sais, t'as un compte quand tu t'y mets aussi. Bon, il est où le cochonnet, là? Ouais, mais là, t'aurais pu le balancer à Warzazat tant que tu y étais aussi. Mais ouais, mais c'est pas du boulot, ça, merde, à la pétanque, il y a des règles strictes, non? Hein, 13 mètres 40 maximum! Ouais, mais si t'es venu jouer les marioles, tu retournes faire du tricot, hein. C'est quand même pas une tarlouse et tu vas me dire ce que j'ai à faire, non? Quoi? Ouais, ben là, on n'a pas le temps, là, on joue au boule. Quoi, Michel? Si on connaît Michel? Pierrot, t'entends ça? Si on connaît Michel? Ah, les mecs! Ouais, vous arrivez un peu tard, là, une fois de plus, là, hein? Pour ramasser la merde, là. Ça c'est les journaleux, ça. C'est les traînes savates, la fouille merde, là. Ah, il y aura avec moi tout ça, ça finira au newf, ça sera vite réglé. Allez, ça dégage, là.
Allez, ça dégage, là, toute l'équipe, là, ça fout le camp, ça, tu vas te prendre une boule, tu. Dédé, t'es bouché, j'ai dit qu'on n'a rien à dire. Non, démocratie, non, si on a envie de rien dire, on n'est pas obligé de... Quoi ? À ce moment-là, mettez-moi un jaune, ouais. Gégé, un jaune, ouais. C'est les gens qui payent, ouais. Allez, Pierrot, on fait une pause. Quoi ? Ben, on l'a vu lundi, Michel, bien sûr. Hein, il arrivait de par là, la rue du Boiteux, là, il avait le regard dans le vide, là... Hein, j'ai tout de suite dit que ça sentait la misère. Pierrot, j'ai dit ou je l'ai pas dit ? Ben, quand il m'a vu, il a voulu discuter avec moi, ouais, bien sûr. Hein, il était là où vous êtes, là, il s'est posé là où vous êtes. Quoi, je me souviens quand même qu'il était là, non ? Hein, que moi, j'étais là, j'étais en train de me mettre un coup d'antigel, je me souviens quand même de ce que je fais, non ? Hein, qu'on était en train de vous mettre 15-0 avec le requin. Hein ? L'entendez-moi, ta grande gueule ! Bon, allez, crasse, parce que là, tu vas faire le cochonnet, là, tu vas te couiner pour quelque chose, t'as l'air clair, là. Bon, ben, bref, là, il se pointe, là, Michel, il me dit, Marcel, faut que je te... Ouais. Alors, moi, pour être arrangeant, je lui dis, oui, ben, commence par fermer ta gueule et oublie-moi, tu vois, je lui dis. Alors, il était collant, Michel, il était collant. Alors, là, il me tire pas le paletot, il me dit, non, Marcel, écoute, j'ai fait le con. Alors, il dit, comment ça, t'as fait le con ? Il me dit, j'ai fait le con, j'ai fumé la voisine, il me dit. Ah, là, je lui dis, là, t'as fait le con, là. Hein, Pierrot ? J'ai dit, t'as fait le con, mais ça, c'est à cause de ta bonne femme, tu vois, je lui dis. J'ai toujours parlé comme ça. J'ai dit, c'est à cause de cette bonne femme. Elle est trop belle, cette bonne femme, elle va t'attirer que des emmerdes. J'ai tout de suite dit, dès qu'il est arrivé avec, je lui ai dit, elle est trop belle, cette femme. Faut lui casser la gueule, faut lui péter le nez, faut faire quelque chose. Hein, Pierrot ? Tu lui ai dit, tiens, faut lui percer un rein, tiens, trop droite, à cette femme. Si, ouais, il était amoureux, il était amoureux. Si, il était amoureux, il l'aimait comme un fou. Et j'ai toujours prévenu, je lui disais, mais pauvre pomme, t'es amoureux, t'es... pauvre pomme en amour, t'as toujours une deuxième mi-temps. Ah, j'en sais quelque chose, moi. Hein ? 130 kilos, elle fait ma femme aujourd'hui. Pour ça que je picole un peu, parce que le Ricard, ça resserre les mirettes, ça affine les silhouettes. Hein ? Ouais, ça te fait marrer, toi, Dédé, 130 kilos de ma femme ? Hein ? Non, mais vas-y, éclate-toi, vas-y. Tu veux peut-être que je raconte à la télé aussi tes petites amourettes avec ta petite nièce aussi, tant qu'on y est. Hein, le tonton modèle, hein ? Hein ? C'est ça, ouais, va chercher des glaçons, ouais. Coup de chevrotine là-dedans, ouais, ça serait vite. Quoi ? Eh ben non, là, je lui dis, bon, ben là, Michel, t'es gentil, mais là, on joue au boule. Hein, c'est pas le bureau des aides sociales. Hein, puis là, il s'est tiré la queue basse, il n'y a rien eu de... Hein ? Si, ouais, en partant, il a allumé un PD qui était à la terrasse du café, là, chez Lucette. Ouais. Hein ? Non, quoi ? Ouais, non, si, en partant, tu sais, dans la cohue, il m'a renversé mon Ricard sur mon falza. Hein ? Non, je me suis pas pissé dessus, qu'est-ce que tu me racontes, quoi ? Tu vas pas t'y mettre, Pierrot, bon, il est où, ce cochonnet ? Tu te l'as encore fourré dans le cul, ou quoi ? Tiens, revenant ! Toi ! Hey, t'as vu ça, t'es... Quoi ? Quoi ? Ah oui, mais t'as acheté des boules, ouais. Ouais, t'es tout beau, là. Hein ? Ah oui, mais là, j'ai... Non. Ah oui, mais là, tu peux pas jouer, là, on n'a pas fait la belle encore, là. Eh ben oui, ben t'attendras, mon vieux, qu'est-ce que je te dis ? Allez, c'est parti ! Vous filmez pas, là ? Si ? Ah non, mais j'ai rien à dire, ouais. Ah, mais j'ai rien à dire, ouais. Quoi ? Ah, je peux pas parler, moi. Ben, je connais trop de monde ici, hein. Hein ? Quoi ? Michel ? Mais Michel, lui. Ben, Michel... Il a voulu se croire plus malin que les autres, Michel. Mais résultat, doucement, vous avez vu ? Ah, 14, je... Ah, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine d'insister, moi, je peux pas en dire plus, hein. C'est comme ça, hein. Ici, les murs ont des oreilles, attention, hein. Quoi ?
Ben déjà, le père de Michel avait eu des problèmes avec le pouvoir en place. Vous n'êtes pas au courant? Oui, bien sûr. Avec Monsieur Toilette, le député. Oui. Son père, oui, ben, il était gendarme à l'époque. Il s'est fait muter à Wallis et Futuna, son père. D'ailleurs, il a disparu, on ne l'a jamais retrouvé. Vous n'êtes pas au courant? Oui. Michel a grandi sans père. Hein? Mais la grande gueule, c'est héréditaire. Hein? Ben, il a grandi comme son père, il est mort comme son père. Il m'a pas vu, là. Quoi? Ah, mais moi, j'ai rien à dire. J'ai pas peur de dire ce que je pense, hein, attention. Hein. Mais je lui parlais, Michel. Je lui dis, qu'est-ce que c'est que ça, Michel? Qu'est-ce que t'as à ouvrir ta gueule? Comme ça, c'est une grande gueule, Michel. Je lui dis, qu'est-ce que c'est? Faut savoir se montrer discret, je lui dis. Hein? Et moi aussi, mon père, il a eu des problèmes. Faut pas croire que ça s'est fait comme ça. Hein. La libération, c'était pas facile pour tout le monde. Hein. Mais par la suite, il a su se montrer discret. Hein. Résultat, il est mort dans son lit avec la bénédiction de l'Église. Ah, mais pourquoi pas mieux que toi? Je suis comme ça. Hein? Vous devez être au courant, la télé aussi. Hein. Ça n'a pas l'air propre, propre non plus. Ah, je te fais marrer. Ben Michel, il s'est fait virer, ça lui pendait au nez, hein, Michel, hein? Oh, mais il n'a pas été soutenu, hein, pour de sombres raisons politiques, hein? Oh, je suis comme ça, mais je suis pas nerveuse, hein. On peut pas parler ici, hein, c'est... Comme partout, d'ailleurs, ben, c'est les juifs, les francs-maçons, les peinés, c'est ça, c'est ça. Ah, vous devez être au courant, la télévision, hein? Elle fait marrer. Ben Michel, il voulait pas écouter, Michel, on lui parlait, je lui disais, il y a des intérêts supérieurs, Michel, qu'est-ce que tu fais, là, là? Hein? Quand t'es petit, tu te tais, sinon tu te fais dégommer. Hein? Oh, ben, c'est malheureux, mais c'est chacun pour soi, hein? C'est la société, comme ça. À la télé, vous devez être au courant, aussi. Hein? C'est le fait marrer. C'est comme la politique, c'est quoi, ces gens-là, là? C'est quoi? Non, mais expliquez-moi, je veux comprendre, moi, ça veut dire quoi, ça? Mais ils nous raquettent, d'accord, mais ils pourraient quand même être un peu plus reconnaissants, non? C'est quand même nous qui leur donnons à bouffer. Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, t'as vu leur attitude. Ici, on a un député, là, monsieur Toilette. Hein? Il se comporte comme un véritable tyran. Ah oui, t'as vu, bon, je peux pas dire grand-chose parce que le chef de cabinet de Toilette, c'est mon voisin. Mais il faut voir comment il se comporte, hein? J'ai envie de lui dire, mais vas-y, mais tu veux pas me dépecer et me jeter dans le gros sel? Je lui fais plaisir, mon copain, alors? C'est comme ça, mais je lui dis, ah, c'est le délire ici, attention, hein? Vous avez vu ce qu'ils ont fait à ce pauvre Michel, hein? Ils ont coupé le robinet, ils ont envoyé les chiens de garde. Ah, c'est comme ça que ça se passe, hein, comme partout, hein? Ah, t'es cool, allez, ouais. La prochaine fois, ils vont nous mettre qui au gouvernement? Qui? Le fils Mobutu, Pinochet? Ah mais moi je vote, moi Ah mais moi j'ai des problèmes avec personne, moi je parle avec tout le monde, moi attention, Moi je lui parlais à Michel, je lui ai dit. Je lui ai dit, mais Michel, mais paye, laisse-toi inquiéter, qu'est-ce que tu fais, ouvrir ta gueule. Puis le jour où t'as plus de quoi payer, ben faut accepter de te faire descendre, Michel. Hein? Ah mais c'est comme ça, Par la force des choses, moi ils peuvent même me faire bouffer mon caca, moi. Ah mais je le mange, moi, mais pourquoi pas? Hein, surtout qu'il y a bien y regarder, ça doit pas être plus difficile que bouffer leur salade. Hein? Ici, non mais ici, le député, la toilette, il s'est fait inquiéter dans une affaire de pédophilie, vous êtes au courant? Si? Hein, ouais. Ah bah si, avec suite à l'affaire Marc Dutroux, ils étaient sur le carnet avec le curé et le maître d'école, bien sûr, bien entendu, si. Ah bah bien sûr. Ah bah depuis plus rien, affaire classée. Hein? Bien sûr, ils ont le droit de s'amuser, non? C'est ce que je dis à mes enfants, faut être prêt à faire quelques sacrifices, les enfants, hein? Si vous voulez gagner de l'argent et puis vieillir un peu, c'est comme ça, j'ai société, hein? Vous me faites rire, des Michel, il y en a combien, hein? Moi, qui sais, demain, ah, je sais pas, hein? Moi, je suis prêt, moi, j'ai prévenu mes noces, hein? Le jour où j'ai plus de quoi à payer, les enfants, je leur ai dit, je suis obligé de vous descendre, ils d'accord. Ils le savent, ils sont pas bêtes, hein, les gosses, ils le savent. Ils le savent, les gosses, hein? On leur a dit à l'école, d'ailleurs. Au plus petit, on lui a dit, hein, si papa a plus de quoi, ben, tu retournes voir le petit Jésus, on lui a dit. Hein. Si, le petit Jésus, c'est... Ben, le petit Jésus, lui aussi, certainement, à un moment donné, il a dû manquer un petit peu d'oseille. Ah, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça depuis... Mais ça peut plus durer, là. Ça va péter, là.
Ça a pété à tous les coups. Hein. Vous savez, moi je me rapporte toujours au vieil adage de ma famille. Hein. La vie est une tartine de merde, faut en manger un peu tous les matins. Bon ben Michel, il a tout bouffé d'un coup, ben résultat 12 morts. Bonjour le chien, tiens, ça va ? Ouais, on va. Oh, bonjour monsieur, madame Glagla, comment ça va ? Hein ? Oh pardon monsieur Glagla, je vous ai pas reconnu, laisse tomber les lunettes, hein, c'est vrai, non ? Oui, c'est la petite qui nous fait un petit malaise, oui, j'ai eu votre femme au téléphone tout à l'heure. Eh oui, elle est couchée d'ailleurs, votre femme, elle était toute énervée. Hein. Pardon ? Eh, excusez-moi, je vous ai pas vu madame Glagla. Hein ? Mais qu'est-ce que vous faites sous la table comme ça ? Hein ? Vous tirez la galette des rois ou quoi ? C'est quoi le principe du... Oui, calmez-vous, madame Glagla. Pardon ? Oui, oui, je sais, elle est... Oui, mais calmez-vous, je ne comprends pas ce que vous me dites. Oui, mais parlez moins vite, madame Glagla, on ne comprend pas. Que... Écoutez, madame Glagla, tout le monde est un petit peu fatigué. Hein. Ah oui, oui, il est 4h du matin, vous imaginez bien que j'ai autre chose à faire qu'à vous écouter et raconter n'importe quoi. Hein. Ah ouais, en ce moment, c'est l'hécatombe. Hein. Ah ben, depuis ce matin, on n'arrête pas dans le quartier, mais tout le monde a la chiasse, hein, je ne sais pas ce qu'il se passe. Hein. Oui, mais je comprends pas. Mais arrêtez de pleurer, madame Glagla, j'imagine bien que vous êtes... Bon, vous savez ce qu'on va faire, on va lui faire une petite piqûre, en somme. Titi, ça va lui faire du bien. Titi, venez, madame. N'ayez pas peur, venez, venez. On va vous faire une petite piqûre, madame Glagla. Titi, c'est le médecin qui est là. Hein. Allez-y, asseyez-vous, madame Glagla. Oui, je sais que c'est votre fille qui est malade, mais il faut déjà traiter son environnement, mon Dieu. Allez-y, tenez-la. Eh oui, bien sûr qu'elle gigote. Hein. Elle le sent qu'il se passe quelque chose. Hein? Oui, mais pas trop fort non plus, monsieur Glagla. Eh oui, mais la langue bleue, là, qui attire, là, c'est pas normal, c'est... Hein, c'est votre femme, quand même, non? Ah, oh, puis dis donc, c'est refou, là. Ah, elle a picolé encore. Hein? Hein? Ah, elle a picolé. Puis vous aussi, non? Hein? Moi? D'accord, j'ai compris, mais t'as pas besoin. Eh, elle envoie pour la veine, là. Ah, ben, on va la taper au hasard, là. Titi, je vais la taper à la tempe, là, regarde. Eh, t'es mou, là. Titi, derrière l'oreille, là, ça rentre. Mais oui, mais retirez votre pied, là, mon vieux, c'est dangereux, ça. Tac, hop, là, voilà, terminé. Eh oui, mais je suis pas content, monsieur Glagla. Non, là, jusqu'à demain matin, là. Mais oui, mais non, je ne cherche pas qu'on a cherché à transformer la confirmation, là. Merde, enfin bon, ne coupez pas la parole, monsieur Glagla. Ouais, non, ces histoires d'alcool, j'en ai marre, maintenant, hein. Ah, ça fait que, oui, mais non, on n'arrête pas de vous le dire. Votre père est mort l'année dernière à 64 ans, mon vieux. Hein. C'est pas vieux, hein. Hein. Non, 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 mais non, monsieur Glagla, non, j'étais au crématorium. Hein. Hein, il a pas mis longtemps à cramer, le papa. Ah, et c'est pas étonnant non plus avec tout l'alcool qu'il avait dans le corps, non plus. Hein, on a même frôlé l'explosion avec vos conneries. Hein. Ben oui, mais c'est nous qui sommes responsables, mon vieux, au-delà de 80%. Ben oui, mais au-delà de 80% d'alcool dans un corps, on doit prévenir. Vous imaginez bien que c'est pas normal. On a l'impression d'avoir affaire à des gosses. Moi, j'ai l'impression d'avoir affaire à un gosse, là. Bon, elle est où, la petite, là ? Hein ? Dans le garage, comment ça, dans le garage ? Et pourquoi vous l'avez foutu dans le garage ? Pour faire descendre la température ? Et elle avait combien, quand elle avait... 43, oui, bon. Bah, ça peut attendre le lendemain matin, mon Dieu. Bah ouais, mais moi, j'ai une famille aussi, hein. Si on doit se déplacer pour le moins de paix de travers, maintenant, bah non, je suis désolé, hein. Faut réfléchir, mon vieux. C'est là le garage. Ah oui, il fait pas chaud dans votre garage, effectivement. Hé, hey, Glagla, là. Alors, vous l'avez foutu dans le 4x4 ? Hein ? En dessous ? Comment ça, en dessous ? Ah ouais, si, je vois un bout de sa patte, là. Viens là, mon petit cas. Viens là, mon petit... comment c'est son prénom ? Hein ? Mardi... Comment vous dites ? Mardi... Qu'est-ce que c'est que ce prénom ? Tiens, viens là, Mardoudou, viens là, mon chat. C'est le docteur Mathias, ça y est, dépêche-toi maintenant, viens là, mon petit malade, voilà. Eh, c'est bien. Oui, la température est bien descendue, effectivement. Ben, elle est toute violette, votre enfant, tu vois comment ça se fait qu'elle tient encore, elle fait peur, hein. Regardez ses petites mains toutes bleues, là, hein. Regardez, c'est... Non, non, touchez pas, ça pète comme du verre, cette température. Et assieds-toi sur le hein. Oui, assieds-toi sur l'établi, ma cocotte, on va regarder ça, hein. Oui, tu retires ton t-shirt, s'il te plaît, hein. Il fait froid, hein. Ah bah ouais, si, bah tu vas faire le petit pingouin un petit peu. Ah, t'es bien, t'es bien.
Hein, vous avez pris la GTD finalement, ouais. Si, elle est belle comme ça en gris métal. Hein. Si, j'aime bien comme ça en gris métal. J'aime bien comme ça en gris métal. C'est une belle forme. Elles ont des belles formes maintenant, les bagnoles. Ah, non, c'est vrai. Ah. Et c'est quoi comme moteur là-dessus, hein? Turbo-diesel, d'accord. Hein. Ah, ils mettent un turbo-diesel là-dessus. Hein. C'est silencieux le diesel maintenant. Hein. Hein? Ah, c'est sûr. C'est très silencieux le diesel. Hein. Ça doit vous changer de votre femme, vous. Ah, on peut rigoler, monsieur Glaglag. Tu sais, avec le boulot qu'on fait, on est obligé de rigoler un peu. Hein. Ça te fait mal quand j'appuie là, mon cœur? Ah, Titi, elle a mal, là. Titi, regarde, tac, elle a mal, là. Ah, oh, c'est normal aussi à cet âge-là. Eh, t'es à quel âge, maintenant? Hein, t'es quoi, t'es 16, 18, c'est quoi? Hein, 10 ans? Ouais, on est dessus, on va dire. Eh, je suis médecin, on a 8 ans d'études, faut que ça serve avec quelque chose. Pardon? Ah, ben oui, Judas, tout le monde en a entendu parler, hein. Ah, ben moi, j'étais encore ce matin, j'étais on était en congrès médical, on n'arrête pas de plancher là-dessus, hein. Ah ben non, pour nous c'est une catastrophe. Non mais nous on est obligé d'avoir un raisonnement scientifique, tu vois. Hein. Ah mais pour nous, un individu de 2000 ans, c'est pas possible. Hein. Même s'il a jamais vu, la question n'est pas là, monsieur Glaglag. Oh, c'est une affaire de cellules, ça. Regardez, je vais vous montrer sur le carton. Hein. Mais Titi, c'est tout bête, regardez. Alors là, je vous dessine. Là, vous avez un individu là. Oui, je dessine une patate, oui, j'ai pas dessiné la Joconde non plus. Non. Comme ça vous rappellera votre femme. Oh, faut rigoler, monsieur Glaglag. Hein. Faut rigoler, c'est important de rigoler. Alors, est composé de cellules. Hein, voilà. Oui, carré, oui, une cellule est toujours carrée. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la cellule? Vous avez des molécules, monsieur Glaglag. Hein, des molécules H2O. Hein. C'est-à-dire, eh bien, deux H, hein, voilà, deux O et un S, hein, toujours. Ah, une molécule a toujours un S. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la molécule, à l'intérieur, tu dis? Eh bien non, elle se déplace, tu vois, elle a une sorte de friction, un peu du fion, comme ça. Et alors, c'est qui provoque une énergie, si vous voulez. Un peu comme une batterie de 12 volts, si vous voulez, hein, dans votre boulot. Voilà. Et alors, donc, sa durée de vie est égale à son côté, que multiplie sa circonférence sur le machin. Hein? Eh bien, c'est-à-dire 70 ans pour les hommes, 80 ans pour les femmes. Alors, c'est dingue. Ah, c'est complètement dingue. Ah mais ça c'est scientifique, hein. Nous on peut pas dire n'importe quoi, attention. Hein. Ah ben on est des scientifiques, hein, monsieur Glaglag. Hein, on a fait le serment de... attention, hein, on peut pas dire n'importe quoi. Hein. Ah non. Hein. Allez, mon petit chat. Hop, bouge plus elle. Hop. Ah, y a plus d'envie. Ah ben là, y a plus de jus, hein, tu vois. Ah non, c'est pas normal, tiens, regardez l'œil. Allez, hop, on voit, il tient plus là. T'es plus là, ouais. Ah non, ça c'est pas normal, hein. Quand elle fait ça, faut m'appeler là, attention. Hein? Eh ben là, il n'y a plus de jus, c'est ce que je... Eh ben on va la redé... Ah ben là, on est en train de la perdre, là. Attention, si on la garde comme ça, on peut pas... Non. Mais on peut la garder comme ça une heure à peu près, mais... Ah ben, comme une batterie, on va la redémarquer. C'est de l'eau distillée dans le bidon, là. Derrière, voilà. Eh ben, allez-y, mettez-lui un litre à peu près. Hein? Mais par la bouche, par où voulez-vous mettre, là. Ouais, mais attention, moi. Ouais, top, voilà. Bah, tiens, passez-moi les cosses de batterie, là, les machins. Hein, on va faire ça. Titi, à l'ancienne, tiens, tu vas voir. Vas-y. Voilà, les l'autre sur votre moteur, vas-y, sur la batterie, oui. Non, le pôle le fil noir sur le pôle... le pôle nord, ouais. À l'autre, voilà. Allez-y, démarrez, monsieur Glaglag, démarrez. Allez, restez sur demi-tour. Allez, bon, ça va. On a dit un effet, l'autre, il y a une heure, il y a un truc à faire, l'autre. C'est bon, monsieur Glaglag, vous pouvez éteindre le moteur. Titi, elle revient, mais elle tient pas bien le ralenti, votre fille. Hein, faut vraiment me l'amener, ouais, mais faut que je lui fasse un petit électro, hein. C'est pas normal à son âge. Hein. Puis elle a des petites taches blanches, hein, sur les ongles. Hein. Ah ouais, mais ça, faut surveiller ça, monsieur Glaglag. Ça, c'est un manque de... On manque d'uranium, ça. Oh. Eh oui, mais non, hein. Faut qu'elle mange du saucisson, cette petite. Hein. Allez, mon chat, hop. Allez, mon petit cœur, hein, devant la télé. Hein. Titi, là, faut la... Ah non, faut pas qu'elle se couche tout de suite, attention. Hein. Non, là, faut la laisser tourner à peu près une heure ou deux. Hein. Eh non, le temps qu'elle recharge. Ah, pardon? Le mal de ventre? Non, c'est rien, ça, monsieur. Eh, 10 ans, faut que ça pousse aussi. Hein. Eh ben, d'ailleurs, on les voit pas pousser, les gosses. Hein. Ah ouais, non, moi, c'est pareil, j'ai deux filles. Vous avez peur qu'elles soient enceintes? Non, c'est un genre. Ben on va regarder, si vous voulez, vous serez plus tranquille. Tiens, viens là, Vardejo, viens là, mon chat. Hein, Titi, viens là, une seconde, hein, on va regarder quelque chose. Hein.
Oui, tu t'assois sur l'établi, s'il te plaît. Hein, hein, tu retires ton slip, c'est gentil. Pardon? Mais elle est réglée, hein? Ouais, ah, ah, d'accord. Hein. Si, elle est en jaune maintenant. Hein. Ouais. Ça, c'est à cause de l'éclipse, monsieur Grimm. Ouais. Ah ouais, ça a tout déréglé, hein. Ça a foutu un merdier, pas possible. Hein. Pardon? Oh, ben tant qu'on n'a pas fait les tests ADN, on pourra pas savoir s'il a vraiment 2000 ans ou si c'est vraiment un imposteur. Hein. Les tests ADN, oh, c'est fiable maintenant. Si, on arrive à trouver. Tiens, tu mets tes deux petites pattes là, mon chat. Hein. Pardon? Les tests ADN, tu, c'est fiable. C'est fiable. Bah non, bah au début, les labos se sont un peu tirés la bourre. Vous savez comment ça se passe, et maintenant c'est fiable. Oh, tu, c'est fiable. Attention, terminé. Hein? Non, non. Mais on peut dater tout et n'importe quoi. T'sais. Ah si, mais ils ont daté avec la machin. Ah, les tests ADN, ça marche. Ah si. Ça marche très très bien maintenant. Ah, il y a quelque chose. Hein. Ah, si, il y a un petit quelque chose. Hein. C'est pas vieux, mais c'est... Hein? Ah non, moi je peux rien faire, mais c'est que là. Non, attention. Hein? Oui, non, mais je sais bien que vous me donnez un coup de main dans le jardin, mais moi je peux pas... Ah, on n'est pas... Ah, on n'est pas de... Oui, non, mais dis donc, oh, moi je suis pas mécanicien, hein. Attention, on a fait le... Ah oui, mais nous, on a fait le serment de machin, on peut pas... Ah non, on a des étés qu'on a quelque chose, on peut pas... Oui, je sais bien, monsieur Glagla, mais moi, là, il faut aller à l'assistante sociale, il faut... Ah ben oui, l'hôpital, le merdier, hein. Ah non, on peut pas, c'est interdit, on n'a pas... Oui, je sais bien, monsieur... Bon, votre femme, elle a un coupon ou quelque chose, hein. Ben non, mais j'aime pas faire ça, je suis désolé, hein. Ben oui, mais on a une éthique, monsieur, on peut pas faire n'importe quoi, hein. Non, mais passez-moi le cric, là, le machin, la pince monseigneur, là. Ben non, je suis désolé. Et vous avez pensé à l'aspect psychologique de la gosse, non? Mais non, on a l'impression d'avoir... Ah, et le nom du vous religieux, tout ça, vous... Ben oui, je sais bien que vous en foutez, mais non. Attention, mon petit chat, ça va faire une petite piqûre de moustique, hein? Hein? Ben non, on a vraiment l'impression d'avoir affaire, hein? Mais non, monsieur Glagla, bien sûr, elle a mal, hein? Ah, ben oui, je sais bien, mais non, je suis désolé, il y a une morale. Ah, mon petit chat, ça lui fait mal, bien sûr. Allez, oui, va voir la télé. Pardon? Ah, ben c'est sûr que s'ils mettent en évidence qu'il a vraiment 2000 ans, là, c'est la catastrophe. Hein. Ah, mais je crois que le gouvernement fera tout pour étouffer l'affaire. Hein. Tout le monde a trop à perdre, il n'y aurait plus de justice, il n'y aurait plus de médecine, il n'y aurait plus rien. 2000 ans, il est où? Ah, Barthélémy, pourquoi t'éteins la télé? Ça nous intéresse! Il m'a mal dans ta gueule, ça t'intéresse? Quand même pas me faire dire ces conneries toute la soirée, et arrête la moindre connerie à la télé, l'autre... Caroline! Caroline! Ouais, mais chouchou, hein, ça fait une heure que tu l'as, moi, que j'attends, là. Tu vas voir si tu réponds à ton père. Tu vas voir. Connasse. Eh non, tu te fais chier à lui donner une éducation, l'autre, c'est tout juste qu'elle crache pas la gueule, l'autre, maintenant, là. 15 ans, là. Mais non, mais c'est ta faute, de toute façon. Là. Parce que t'es une mauvaise merde. Mais que tu dis que t'es une mauvaise merde. Quoi, mais tu lui expliques, encore. Non, tu lui dois qu'il... T'es pas, moi, merde. Julien, viens là, mon grand, viens là, mon gars. T'es bien. Ouais, va ta mère a claqué les portes comme ça. Et ouais, va chez les voisines, elle a regardé la télé. Et le gouinin, ça. Mais non, la moindre connerie à la télé, donc c'est bon, elle pète un joint. T'es déjà avec la l'éclipse, là, tu te souviens, là, hein, qu'on s'était fait chier la bite, là, à monter à Rouen, là, hein, pour finir comme des cons dans les embouteillages avec des lunettes en carton. Ben non, non. Je suis désolé, mais que ça vous arrive de réchauffer un peu. Que vous, on vous prend pour des cons. Mais non, désolé, on a vraiment l'impression que... Hein? Non, de toute façon, il n'y a que moi dans cette maison qui est un vrai catholique. Mais... Tu es un vrai chrétienne. Si, et d'ailleurs, tu sais que c'est pour ça que j'ai jamais voulu divorcer avec ta mère. Non, jamais. Parce qu'un catholique ne divorce jamais. Hein, il se farcit de la connasse jusqu'au décès. Eh oui, mon Dieu, mais non, c'est... Vous êtes que des païens, attention, je te dis que vous êtes que des... Vous finirez tous par cramer en enfer, là. Et là, il faudra pas venir m'avoir, là. Parce que là, la Bibi sera plus là pour personne, la Bibi. Et bien sûr qu'il fait une chaleur, ben oui, mais tiens, t'as qu'à ouvrir la porte du frigo, là. Hein, ça mettra un peu de fraîcheur, là.
Tiens, puis amène-moi la bouteille d'épinards en face de toi, en douille. Avec deux verres, tiens, tu vas traquer avec ton père. Et tu, à 14 ans, t'as le droit de boire le sang du cri. Donc, tu es 14 ans, t'es puceau et tu veux apprendre à être catholique maintenant. Eh, tiens, ouais, c'est bon. Vas-y, tiens, vas-y. T'as pas de lourd, toi. Hein? Ah, t'es bien, ça c'est bon, toi. Ça c'est bon. De toute façon, toi, je t'ai toujours dit, je veux dire. Tout petit, dès qu'il était à moitié catholique, lui, il est plus vif que les autres, il est plus... Et j'y pensais parce que t'es mon seul garçon. Hein, mon couillu? Hein, mon couillu, t'es bien, c'est bon, toi. Faudrait qu'on aille se faire une pute, hein? Hein? Fais-moi penser, toi. Judas? Si, tu veux que je te dis? Tu veux que je te dis, Judas? Tu veux que je te dis, Judas? Judas, c'est comme le voisin du troisième, là. Le prof, là, le socialiste, là. Eh ben, c'est un pédé. Si, si, parce que tu regardes, dans l'histoire, c'est le seul, qui était entre potes, là, les douze, là. Qui disait leur gueuleton là, sur la photo, là, ouais. Oui, apôtre, voilà, oui, mais bon, ils disaient apôtre parce qu'ils n'avaient pas notre instruction qu'on a maintenant, mais c'était 12 potes, en fait. Voilà, des potes de règlement, les mecs qui faisaient les cons. Et alors, ouais, voilà, ben, tu sais, quand il s'est fait gauler, le Jésus, là, qui disait leur gueuleton, là, tu sais qu'il tenait plus sur ses guitares, au cas. Ah, il avait chaud aux étiquettes, et tu le vois, à un moment donné. Eh, hey, GG, il a des petits yeux sur la photo, là. Mais, il a mis des étoiles, donc t'as vu, l'autre, il savait plus où il était. Voilà, qui coupe le pain, voilà. Ben, c'est lui, il était rond. Hein? Eh ben oui, qui, ben, il coupait le pain, non, parce que certainement, il devait faire les crasses d'ail pour tout le monde. Et alors? Et tu le vois, non, faux. Tu le vois, à un moment donné, si tu veux, il se coupe le bout du crayon. Et alors, avec le sang qui coule, patate, alors, l'autre, qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il plonge le doigt dans le pichet de pinard. Hein, ben, pour désinfecter, qu'il n'y ait pas que les microbes ne soient pas... hein, parce que attention, à l'époque, les microbes, c'était des bazars comme ça. Et alors là, non, faux, c'est pas ça. Et alors là, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il y a Pierrot, son pote. Oui, Saint-Pierre, oui, mais non, là, c'était Pierrot encore. Là. Alors, il le regarde, il lui dit non... T'essayes de foutre tes pognes dégueulasses dans le pinard, hein. Oh, que nous on boit derrière, c'est dégueulasse. Jésus, ni le. Ta gueule, Pierrot. Hein. Ceci est mon sang, tu peux y aller, j'ai pas la choumoune. Ah non, non, t'es payé. Et alors, mais ils se sont tous sortis avec le sang du Christ, tu rigoles. Que... Voilà, c'est ça. Voilà, tous, voilà, sauf un, exact. Judas, qui t'es bien? Et pourquoi il n'a pas voulu ouvrir? Pourquoi il n'a pas voulu ouvrir? Hein? Faux. Je te dis. Parce qu'à l'époque, Judas, il voulait arrêter de boire. Il s'était inscrit, si tu veux, aux Alcooliques Anonymes. Une secte de l'époque qui existe toujours, mon Dieu. Et non, non, c'est pas la peine de te marier, ils t'en prennent aux jeunes comme vous, hein, à faire le con. Hein? Eh bien alors là, Judas, l'autre, il s'est levé, il a dit, oui, comment tu as gueulé, oui, on la barre, avec vous, c'est toujours le même cinéma, on finit toujours en gueule, salut la compagnie, je me casse, si je veux m'en sortir, c'est certainement pas avec des connards dans votre genre. Alors tous les copains, j'étais là, merde, si tu arrives, ok, putain, moi, j'étais comme, toi, il traçait gentiment, l'autre, il se casse, Jésus, le laisse passer, merde, il le laisse passer, comme ça. Il le chope par le falzar, le burnard. Putain, à l'époque, c'était des falzars à moitié en paille qu'ils avaient fait à moitié. Et là, l'autre qui se tire. Eh ben, le falzar en dessous, l'autre. Allez, eh ben, quoi? Eh ben, les ballons salaires, et les mains sur les ballons, c'est les vies salaires. Alors, ben non, la honte de sa vie, l'autre est devenu rouge comme une tablette. Alors, j'ai dit, rebelote, il le chope par la feuille. Alors, Biquet, on se tire sans faire le bisou. Et là, il y roule une javel. Ben, le fameux baiser de Judas, t'as regardé. Ah, ben, c'est marqué dans tous les prospectus, c'est tout le bazar. Voilà. Et non, c'est après qu'il a été les balancés aux flics. Dit, ah, bah ouais, et puis attention, à l'époque des dinosaures, là, ça rigolait pas. Et briller sur voie publique, là, c'est. Ah, ben là, ils te sucrifiaient sur le champ, les mecs.
Non, non, c'est pas ça, faux, faux. Et là, non, Julien, faux. Tu te dis, et là, c'est ton père qui te perd l'ordouille. Tu gardes ça dans un coin de ta trogne. Hein. Que si ça va pas, tu dis, bon, que ton père, tu verras dans la vie. Hein. Tous ceux qui ne boivent pas, hein, c'est les enculés. Excuse-moi. Regarde les musulmans, là. Hein? Ah non, moi je te parle, attention, qui picole régulièrement. Hein. Un peu comme tes voyous de copains, la siroter de la vodka orange et gerber dans les coins le week-end, en discothèque, tu crois qu'on n'est pas au courant avec ta mère. Hein? Mais non, parce que c'est dangereux, abruti. T'as vu les deux jeunes qui sont encore foutus la gueule sur un arbre ce week-end, non? Parce que c'est pas le sang du Christ qui picole, t'entends? La vodka, non, ça c'est de la pisse de païen, ça c'est du sang des communistes, c'est tout ce que tu veux. Le pastis, non, ça c'est le sang des flics, c'est autre chose, ça fait pas faire de même. Voilà, moi je te parle, le sang du Christ, voilà, rouge, voilà. Bouteille en plastique ou en verre, patate, ça n'a rien à voir. Par contre, français, hein. Ah, toujours, le sang du Christ a toujours été français. Attention. Non, c'est, non, faux, c'est pas, non, non, ça c'est de la connerie, non, ça c'est de la merde, c'est que tu dis. Non, pourquoi? Et là, je te le dis, parce que nous, si tu veux, pour, non, nous, on n'a rien fait au départ, les catholiques, mais nous, on nous a cassé les couilles. Alors, à un moment donné, les catholiques du monde entier, on a fait le plan au super, et là, on a été leur casser la gueule. Ah, tous les cons de la planète, là, les papous, les zoulous, les niaquois, tout ce que tu veux. Oui, ça a duré 100 ans, exact. Et pourquoi ça a duré 100 ans? Hein? Et pour, voilà, les croisades, exact. Et pourquoi on appelait ça les croisades? Voilà, pourquoi on appelait ça? Faux. Parce que, si tu veux, à la fin des croisades, tu vois, on a tous fini, on a été croisés, si tu veux. Parce que les catholiques, ils avaient été chiffonnés à l'autre bout de la planète, alors tu vois. Eh ben non, ils avaient violé tout le monde aussi. Eh, c'est normal, c'était loin de chez eux, les mecs, et puis 100 ans, leur tourne, attention. Hein. Et alors? Et non, c'est ça qu'après, si tu veux, partout la planète, on est tous sortis comme ça. Tu sais que moi, j'ai les poils qui frisotent à moitié. Ça remonte à l'époque des croisades. Certainement, tu sais, il y a dû y avoir de la négresse ou des castors, on ne sait pas. Non, c'est pas ça. Faux, c'est pas ça. Non, 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 tais-toi. Pourquoi ça a duré 100 ans? Pourquoi? Parce que les bougnoules à l'époque. Ah, qui étaient déjà des bougnoules, la moitié. Ils nous avaient chouré le Saint-Godet où le Christ avait picolé dedans. Oui, le Saint-Graal, oui, voilà. Oui, mais me coupe pas quand je te dis un truc. Le Saint-Godet où le Christ a picolé dedans. Que derrière, que si tu picolais dedans, ah ben que derrière, ben, c'était l'éternité bourrée, quoi. T'étais bourré tout le temps. Mais. Non. Et non, c'est faux. Et alors, non, c'est pas ça. Parce que ce qui s'est passé, c'est que alors, le pape, si tu veux, c'était Jeannot, je sais plus combien, l'autre, il cherchait le Saint-Godet, de merde, ouais, qui a foutu le Saint-Godet, merde. Alors l'autre, c'est le soupape, l'autre, sa fiotte, il dit, mais alors, l'autre, ah, ben, c'est pas, la femme de ménage, il commence. Quoi? Et le pape, il dit, quoi? Il a été voir la femme de ménage, donc c'était direct. Direct, il a été voir le roi des bouillons. Il a dit, viens là, comme toi, viens ici, toi. Il est où le Saint-Godet, maintenant? Il est où le... Tu sais, comment c'est? Il est où le Saint-Godet? L'autre, quoi? Ah, tu les connais, les mecs, sont comme ça, les mecs. Tu veux pas rendre le Saint-Godet, hein? Tu veux jouer au courant avec moi? Alors, ah ben là, on a été leur foutre sur la gueule, tu rigoles ou quoi? Mais c'était pour retrouver le Saint-Godet, ou disons, où le Christ a picolé dedans, donc tu rigoles ou quoi? Hein? Ah ben si j'avais chouré le pichet, c'était pareil. Hein? On aurait recherché le Saint-Pichet, certainement. Et merde, ils m'ont niqué tout mon parti, regarde. Et prévu avec leur troupeau de danseuses et les cons, regarde tout le long, là. Hop, c'est pas fait pour ça, ici. Mais qui ça? Hier, là, les balais de chiottes, là, les babouches, là, les machins, les balais afghans, ouais, c'est ça. Tu sais, t'as 60 bonnes femmes, tu sais, déguisées dans des housses à couettes, et en train de mouiller les espions, là.
Ils n'aient pas le Crazy Horse, attention. Celui qui est venu chercher le bout de nichon, walou, il a quel âge. Ah ben interdit, c'est formidable, ils n'ont pas le droit. Là. Ça, c'est dans le Coran, ça, ils peuvent pas. Hein. Une femme n'a pas le droit de montrer ni un bout de téton, ni un bout de chat, à quel âge. Tu verras quel âge. Tiens, il y a même du sang, tu regardes ça. Tiens, s'il y en a une qui s'est plantée au répète, tu sais. Ah, j'étais planté, moi j'étais là, moi j'ai tout vu, là. Hein, l'autre, elle était, elle a racheté, elle s'est marchée sur la couette, quoi. Merde, elle s'est plantée, comme ça, tac, tout, le pied de micro, c'est comme ça, c'est... Le metteur, en scène, il s'est levé, quoi. Ils l'ont caillassé et tout à trois. Pour lance-boulon, comme ça, en pleine poire. Ben, ils n'ont pas les mêmes conventions syndicales, hein, j'imagine. Hein. Moi, j'ai sympathisé avec le gars qui conduisait les camions. Hein. Moussaka, Moustapha, gentil, le beau. Tu es en train de potasser son manuel de pilotage, bon, en arabe. Gentil, bon. Alors moi, par esprit de convivialité, hein, France, terre d'accueil, hein, les droits de l'homme, mon cul sur la commode. Alors l'autre, j'ai fait goûter de magnol, toi. Ah ben, chez eux, c'est interdit, le magnol. Hein, formidable, ils ont pas le droit. Hein. Non, interdiction formelle, c'est attention, moi. Même sans alcool, ils y touchent pas. Pas de gnôle, pas de saucifleur, pas de musique, que là, les gars. Ah, c'est dans le Coran, ils peuvent pas ça. Moi, la musique, ça me ferait pas chier, ça. Donc, franchement, quand tu vois les jeunes, maintenant, tu es en discothèque, tu as tortillé les fions et que ça devant trois chiennes, là, c'est... Ah, autant se branler directement. Non, mais c'est vrai, non, mais on va où, c'est quoi? Bref, alors moi, j'ai sympathisé avec le gars, tu vois. Alors, je lui ai fait goûter de magnon, là. Puis moi, je suis originaire de la Basse-Normandie, ouais. Hein, tu es au courant, là-bas, il y a comme un côté gnôle, il y a comme un savoir-faire. Et moi, en sortie d'alambic, je tourne entre 250 et 300 degrés, ouais. Ah ben, c'est conservé dans des fûts en Kevlar, sinon ça fond, le bazar. C'est considéré comme une arme de guerre. Hein, t'es... Moi, avec deux jerrycans dans le terrier, j'étais classé dans les sites à haut risque. Ouais. Non, il rigole pas, la préfecture, il rigole pas. T'es... T'sais, interdiction de construire 800 mètres autour et tout, les gars, c'est... Alors l'autre, t'imagines, Moustapha, là, ça lui a mis un petit coup de préchauffage. Première gorgée, ou... Un lapin, l'autre, il tremble la tête partout, l'autre. Alors moi, je lui mets une petite tape dans le dos, je croyais qu'il y avait un petit rototo de coincé, quoi. Le gars, tu sais, il me repousse, comme ça. Ils sont fiers, les gars. Ils me regardent, comme ça, tu sais. Moi, je plonge sous les fauteuils. Il sort, il avait une Kalachnikov. Il l'a sorti comme ça. Bam, 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 il l'a tiré en l'air et tout, là-bas. Ah, si, ils peuvent faire ça, les gars. Ah, ils ont le droit, mais c'est dans le camp, ça, ils peuvent. Dès qu'ils sont heureux, les gars, ils ont la trique, allez, ils arrosent, on termine. Ah, ça, c'est des trucs à savoir. T'imagines, t'habites à l'étage, t'es pas au courant. Toi. C'est quoi, ils prennent du plomb dans le cul, c'est les gars, t'es pas... Tu racontes ta vie encore, c'est ça? Quoi? Mais oui, tu racontes ta vie, mais tout le monde s'en fout, René. Hein. Tout le monde s'en fout des états d'âme d'un alcoolo qui est même pas foutu de tirer la chasse quand il va aux chiottes. Hein. Quoi? Bon, c'est pas grave, mais c'est chiant. Merde. Pourquoi ils ont été nous foutre une bonne femme en chef de plateau, là? Tiens, non, mais c'est vrai, là. Ça rime à quoi, ça? Hein, puis je vois pas pourquoi on se fait chier à préparer la scène, l'artiste principal est pas là. Moi je l'avais prévenu le négro, hein, je lui avais dit. Hein. Avec ses conneries politiques, ça allait lui retomber sur la casquette, hein, le grand. Eh oui, à un moment donné. Mais à un moment donné, tu mélanges pas les cajons et les hein, c'est tout, hein, le grand. Bon. T'as vu ce qu'ils avaient fait avec Coluche déjà? Tu vas pas me dire que le camion, il était dans le virage pour faire joli, le truc. Ben non, parce qu'à un moment donné, c'est l'intérêt supérieur de l'État. Les gars... C'est reparti. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, t'es en train de nous bassiner avec Coluche encore au lieu de bosser, là. Tu l'as même jamais croisé, Coluche, je suis sûr. Quoi? J'ai pas connu Michel, peut-être. Merdeuse, moi, je suis sûr. Ah ben, Michel, c'était autre chose, hein. Puis un noir président, non. On n'est pas en bambouli que ça. Pourquoi pas une bonne femme alors tant qu'on y est. Ouais d'accord, mais alors foutez-la à poil. Là, les gars, ils vont voter là. Taille, viens voir les gars là. Ah, là, j'ai pris une con.
Attention. Oui, tu peux y aller. Ouais. Ceci dit, même habillé, ce serait marrant, une bonne femme. Quoi? Oui, d'accord. Sauf Michel Alliomari, d'accord. Cauchemar. Je comprends rien, ce qu'il raconte. À nous faire chier combien de temps à passer, à repasser, comment tu veux bosser? Non, mais là, il faisait chier tout le monde, le négro avec ses histoires, machin. Le ouais, machin, le négro, n'importe quoi, là-bas. Moi, j'étais là, il arrêtait pas, il y avait des journalistes, ouais, pour faire la promotion du spectacle. Les gars, non, les négros, comme quoi les blancs, ils ont déporté des millions de négros, là-bas. C'est fort possible, je veux dire, mais nous, on n'est pas responsables, je veux dire, en Basse-Normandie, on n'a rien fait, que ça. Alors déjà, les Juifs nous ont assez cassé les couilles avec leur histoire de chouïa, on va pas remettre les couverts avec les négros, quand on va repartir pour combien de temps, là? Non, non, la Shoah, merde. Oui, la Shoah, si tu veux, la Shoah. Mais là, il dit conneries sur conneries, le gars, c'est bon, maintenant, là. Hein, le français, il en a marre, je suis désolé, le gars. Le français, tu le prends pour un con une fois, deux fois, mais pas trois. Hein. Mais tu verras qu'il n'y aura personne à son spectacle. Hein. Mon avis, il y a des trucs... Tiens, tu peux rester au milieu, là, s'il te plaît, là, parce qu'on est en train de finir les réglages lumière-son. Là. Ouais, mais moi, je suis pas au doubleur lumière, vous pouvez me faire engueuler. Ah, tu sais quoi, je vais vous mettre les prochains modules, là, vous allez comprendre quelque chose. Si, ben, attends, je vais te lire la lettre que j'ai trouvée dans le salon. J'ai ouvert, bon, par inadvertance, hein, de toute façon. Mais qui était fermé, regarde ce qu'il lui met, le gars. Salut, alors attends, parce que j'ai pas mes lunettes, moi. Regarde, là, voilà, salut, blam, 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 blam. Ça, c'est son nom, certainement, c'est rien. Alors, retourne-lui dans ton pays et dans ta forêt avec les singes à qui tu ressembles. Ah là là, le gars, tu sais là, alors attends, c'est pas fini, le gars, attends. Car bientôt, on va faire comme au Kosovo ici. On va virer les bougnoules et les nègres. Suis ce conseil chimpanzé, on te reconnaîtra toujours. Bon, c'est pas signé, mais moi je trouve ça courageux, le gars. Écoute. Le français, il en a marre. Hein, si les étrangers, ils sont pas contents, ben ils ont qu'à retourner en étranger, les gars, on les retient pas, merde. C'est vrai, merde, moi quand je vais en étranger, je ferme ma gueule, je sais me tenir à ne pas raconter des conneries de n'importe quoi, écoute. Ouais, mais c'est peut-être parce que tu parles pas la langue aussi, hein. Oh non, ça n'a rien à voir, je suis désolé. Conseille-toi, non, j'y étais l'année dernière à l'étranger. Hein, les gars, ils me comprennent. Hein. C'est, dis donc, wow, putain, con. Ils me comprennent, les gars. Mais là, l'autre, c'est un sale con, le gars. Puis tu sais, monsieur, je sais tout. C'est en coulisses, tu les vois tout de suite. Hein. Ah non, 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 tu es prétentieux, le gars. Puis c'est un traqueux, le négro. Hein. Tu sais, faut qu'il aille chier 3-4 fois avant de se lancer sur scène. Hein. Et personne ne le sait, ça. Hein. Puis alors, qu'est-ce que sèche la gnoc, le négro qui pétoche? Oh, c'est pas possible, toi, on fait comme ça, les gars. Et c'est, moi, je peux t'en parler, je m'occupais de sa loge, le gars. Mais c'est dans leur race, c'est pas vrai, ça. Qui dégage, c'est un gaz mortel, hein, c'est qui? Moi, j'étais dans sa loge, non, mais c'est terrible, hein, tu sais, cette pique, tu comprends pas, t'es là, merde. T'es... Ah non, 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 tu t'es déjà retrouvé, tu sais, c'est pour ça que t'en verras jamais dans des pubs pour parfum des noirs. Sentir le noir, c'est pas un projet, ça n'existe pas. Tu t'es déjà retrouvé dans un bus à Dakar aux heures de pointe. Ah ben, ça forme la jeunesse, hein. Moi, je peux t'en parler. Si ça prend, c'est les yeux d'abord. Si tu comprends pas, tu dis merde. Puis après tout le système nerveux, c'est bien en sucette, comme ça. J'étais comme ça. T'es au fond du car, j'étais comme ça. Ah oui, j'ai Europe Assistance, 24 heures, ils m'ont raconté. Ils m'ont plâtré 6 mois, les gars, ils savaient pas ce que j'avais. Mais si c'est parce que c'est un gaz, si ça te pique, ça rentre dans la moelle épinière et tout. Moi, c'est... Ici, on avait un antillais avant. Tu sais, comment il s'appelait l'antillais, on l'appelait le gars. Pourtant, merde, l'antillais, c'est moins sauvage, hein, l'antillais, quand même. Mais ils ont été dressés, les gars. Hein, ils sont plus clairs de peau. Si tu regardes bien, c'est pas les mêmes. Hein. Hein, non, ils sont plus clairs. Hein. D'ailleurs, grâce à qui? Hein? Si on n'avait pas violé leur femelle pendant 300 ans. Mais ils seraient toujours aussi négros, écoute, les gars. Hein, et pour ça, on attend toujours le merci. Eh ben voilà. Eh ben voilà, hein, comme d'habitude, les gars. Hein.
Non, mais là, l'antillais, j'ai failli tourner de l'œil. Hein. Un spectacle de danse, tu sais, j'étais bloqué avec lui sous les projecteurs. Hein. Tu sais, il y avait deux, trois danseuses, le gars, il est tourné fou, il transpirait, le gars, il s'est mis, oh là, pff. Non, il en fait, mais j'ai tourné de l'œil. Dans le coma, ils m'ont retrouvé. Là. Ils m'ont descendu avec une coquille, je me suis réveillé trois semaines après, j'ai rien compris. Et son casier, tu peux y aller, ça fait 10 ans qu'il s'est cassé, quoi. Mais ça, je gagne toujours. Vas-y, tu vas voir. Et je l'ai passé à tout, hein, à l'acide, à l'eau de Javel. Je l'ai même fait refondre et remouler, le casier. Mais ça change, parce que c'est leur race qui est comme ça. Les mecs, ils sont... c'est terrible, c'est... Non, non, c'est... Regarde, c'est terrible, parce que quand tu vois ça... Moi, je suis sûr, tu sais, le trou dans la couche d'ozone. C'est le continent africain qui doit foutre la merde. Mais t'as un milliard de négros là qui gigotent, t'as rien branlé toute la journée. Imagine le soupe que qu'elle fout là-haut. Ouais. Alors que font les Américains? Que fait la CIA au lieu d'aller se faire je ne sais quoi faire en Afghanistan, je ne sais où là. C'est la survie d'une planète dont on est en train de parler, enfin merde. Alors oui, soi-disant, la CIA leur aurait foutu la chiasse, je ne sais pas quoi, que 80% de négros seraient atteints du sida. Oui. Oui, bon, je dis que c'est une bonne chose, on avance, mais... Alors, bien sûr, dans l'eau, il y a des gosses et tout, c'est triste. Bon, bah, tu fais pas de doublettes sans casser les œufs non plus. Mais si tu suis la logique, avec le temps qui passe, ils devraient déjà être moins nombreux, les gars. Il y en a des milliards. À Paris, il y en a un milliard, il a dit Le Pen. Un milliard. Tu l'as déjà vu, le 1er mai, la manifestation, là. Il n'y avait que ça, on se serait cru à Yaoundé, moi, j'ai cru, on est où, là? Moi, ça m'énerve, moi. Quand je vois ça, ça m'énerve. Tu sais, c'est... Merde, on est chez nous, on n'est pas chez nous, bordel. Mon propre fils, tu sais. Tu sais, et crois... Tu sais, crois-moi, tu sais, j'en ai cru sur la patate. Tu sais, j'en ai parlé à personne, tu sais. Hein, mon fils, Jean-Pierre, crois-moi, tu sais. C'est un mouraché d'une négresse. Noir, pire que noir, sénégalais. Sénégalais. Pouf, oh la vache. Donc tu entends nous foutre à zéro, tu sais, là qui se tire avec ma bombe. Il s'est ramené avec, tu sais, tout chiasseux, le gamin. T'sais. Papa, bras dessus, bras dessous, il se lâchait la... Dégueulasse, des hauts de cœur. Il se lâchait la pote. T'as envie de vomir quand j'ai vu ça. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, je te présente une diacaté, qu'est-ce rien compris. C'est l'amour machin de ma vie, marié avec, il me fait. Je lui ai mis une tartine, je lui ai dit, tu vas voir. Dégage-moi ça de la baraque et va te laver les mains. C'est autant pisser dans un chausson, le gamin. Bon. Et il avait fait le point sur son petit fion de sauterelle à l'autre terminé. Il bah, faut voir aussi le cul qui est travail. Et... Moi j'avais un copain de Elfe Gabon qui était là, qui est René. Ah, il s'en connaissait, il s'en était frotté de la négresse, il m'a laissé tomber. Avec un pétard comme ça en ligne de mire, le gamin il a quitté sa trajectoire. Hein. Bah, ça n'a pas loupé, hein. Le CAP électronique, c'est les cours de batterie, tout ça, il a... Tout ça a dégagé, ça c'est. C'est dur, tu sais, pour un père, quand t'as tout fait pour ton gosse, tu sais, tu... Ah bon, bien sûr, j'aurais préféré encore t'es, qu'il meure dans un accident de voiture, le gosse. Tu choisis pas, tu sais, quand ça te tombe sur la gueule, ces trucs-là. Tu sais pas ce qui... Tout m'est arrivé, tu sais, saleté de négresse, ça me... Même mon divorce avec Nadine, c'est ça. Hein, c'est vrai que sur la fin, j'étais devenu agressif, hein, je ne nie pas. Hein. Hein, j'avais la caresse un peu ferme, bon. Hein, il est quand même déboîté le caisson à coups de tibia, l'autre. 117 fractures, j'ai foutu le dernier coup. Bon, non, c'est vrai que ça ne se fait pas, on a été broché de partout, l'autre. Hein. 30 kilos de ferraille, il y avait en plus. Et quand le temps était à l'humidité, tu l'entendais venir à grincer de partout. Elle bipait dans les aéroports et tout. Qu'est-ce qu'on a pu se prendre la gueule, enfin bon. De la se tirer à 52 ans, ça rime à quoi, enfin merde. Et le mariage, et le merde. Non, ça... T'sais, j'ai fermé ma gueule ici parce que j'ai des cons, mais... Si j'ai des grosses reins, patates. Et j'ai même été voir un psychologue et tout.
Ah, je devenais zinzin. Je me mettais à chialer pour un oui, pour un non. À la fin, j'ai eu une publicité un jour avec des chatons. J'étais à la télé, comme tu as dû regarder, je chialais. J'étais là, je crois. Ah non, non, je devenais ma boule. Hein. Ils m'ont filé des médocs et tout, les gars. Tout ça à cause de la négresse. Non, mais t'es, le docteur dit que c'est pas ça. C'est un con, de toute façon. C'est la moitié chinois, espagnol, c'est pas ce que c'est. Quoi. Non, mais là, il m'a, j'ai bien failli rester. T'sais. Qu'est-ce qu'il m'a dit, le gars, tant qu'il, comme connerie, que c'était, oui, sûrement à cause de l'histoire de la mort de ma mère, le gars, quand j'avais 5 ans. Non, mais de quoi je me mêle. Non, mais ça va, le gars. Non. Comme quoi, le fait, tu sais, que mon père, tu sais, il est descendu à bout portant, c'était devant moi, que ça aurait des répercussions. Mais n'importe quoi, les gars. 450 balles pour entendre des conneries comme ça. Non, mais c'est... Non, mais après, qu'est-ce qu'il m'a dit comme connerie? Attends, tu vas te marrer. La sexualité avec mon père, il m'a parlé. Non, mais tu sais pas de quoi il parle, là, gars. Parce que, tu sais, bon, moi, je raconte, c'est vrai. Ah, bon, bah, ça va, tu sais, moi, je suis pas gêné, on va dire. Ah, et puis, je veux dire, qui, je veux dire, ne sait jamais, tu sais, fait ranger une clé de 17 dans le fion. Bon, ça va, non, mais c'est vrai! Et là, c'est bon, là, ça va mieux, là. J'ai changé mes médocs, là, ça... Puis je vais au Sénégal, une fois par an, là, faut pas faire les cons, là. Et c'est mon gosse, hein, c'est mon gamin. Hein. Par contre, j'ai dit, hein, la femelle, les petits, je vais pas voir ça. Ça pourrait me rendre agressif, ça. Moi, j'ai toujours été contre les mélanges, les manipulations génétiques, les croisements. Ça, c'est, le métissage, c'est de la connerie, ça. Mais non, ça ne marche pas, c'est n'importe quoi. Regarde. Moi, ma femme a été de Montreuil, moi j'ai été de Bagnolet. Mais ben, ça n'a jamais collé. On a pas... Parce que c'est pas la même race. À un moment donné, c'est pas les mêmes repères, c'est le système solaire, tout ça, c'est dit, ça n'a rien à voir. L'autre, elle me parlait à la fin. Elle me parlait, comprends rien. Ça, il foutait des tartines, je comprenais rien à ce qu'elle me racontait. Ben, de là, à se tirer à 52 ans, ça rime à quoi, tu sais. Oh, il morflait, tu sais. Ça... Non, mais c'est quoi ta race, au fait, Jackie? Français? Non, ta race, la race. Ah, Haute-Seine. À 92? Ouais. Ah, c'est autre chose encore. C'est... T'as des taches de rousseur sur le cul ou pas? Ouais, mais tu vois, là, on peut communiquer, on peut parler, donc tu sais les galères. Non, mais tout part en sucette, c'est n'importe quoi. Moi, tu sais, je vais te dire, il y aura avec moi une bonne guerre là-dessus, ça s'est terminé. Hein. Non, mais c'est vrai, mais tu sais où, il y a tant que ça à la télévision, de quoi je me mêle. À ce rythme-là, ils vont apprendre quoi, nos gosses, dans 10 ans à l'école? Nos ancêtres, les pygmées, c'est ça qu'on veut? Non, mais on a tout inventé sur cette planète, bordel. Le scotch, le... Même le parler, c'est quand même bien un Français qui un jour a dit, bon, maintenant arrêtons les gars, parlons français. Ah, merde. Oui, bon, bah, c'est... Bonsoir. Yannani? Ah, ben, j'ai bien connu Yannani, si. Ben, j'ai, disons, j'ai été sur l'institutrice, moi. Oui, si, ah, oui. CP, CE1, oui. Voilà, ah, gentil, il était... Elle était sale, voilà, sale, très sale, oui. Si, toujours les petits accidents dans sa culotte, tout ça, hein, oui. Et alors, les changeait son pantalon, quoi, hein. Chose que je ne ferai plus aujourd'hui. Oui, voilà. Oui, gentil. Oh. Voilà, des bêtises, c'est tout ce qu'il faisait, il paraissait des bêtises, quoi, comme tous les gosses, quoi. Oh, des bêtises, non, c'était pas méchant, je me souviens, s'il me mettait ses petits des punaises, comme ça, sur la chaise. Avant que je rentre, vous voyez, il croyait que je ne voyais pas, ça, oui. Oh, c'est avec le recul, je dois dire que c'était le bon vieux temps, tout ça, c'est. Parce qu'aujourd'hui, les punaises ont été remplacées par des pièges à loups, aujourd'hui. Nous, on a perdu une collègue la semaine dernière. Eh oui, une mère de... Tu sais, deux enfants, 27 ans. Ah là là, elle est tombée dans un guet-apens du côté des bacs à sable. Pendant la récréation, ils avaient creusé une fosse de 5 mètres, vous savez, avec des pieux en contrebas, comme ça. Des maternelles grande section qui font ça. Non, mais c'est terrible, quoi, t'es. Si, quand même, pouvait arriver là-dessus, terminé là-dessus.
Ah, mais la sécurité, ah oui, fait partie de notre quotidien. Aujourd'hui, on vit avec. Hein, puis ça commence de plus en plus tôt. 6 ans, 6 ans et demi, c'est parti. Moi, en ce moment, j'en ai un. Mamadou, il s'appelle Mamadou. Mamadou, oui. Oui, pourtant, c'est joli, Mamadou. Hein. Il y a le mot doux dans Mamadou. Ah ben, on n'y voit rien, ça ne doit pas vouloir dire la même chose. Qu'est-ce qu'il est dur, ce gamin. Oh là là, depuis le début de l'année, oui, il me fait peur. Mais oui, il me donne des coups de pied. Un jour, il me mord comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit, ta gueule, comme ça. Sinon, c'est zizi cucu à toi. Zizi cucu, le gamin, enfin, 6 ans et demi, non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'ai été voir les parents, hein. J'ai dit, mais alors, zizi cucu, il m'a dit, ben, tiens, on a peur. Mais tout le monde a peur d'être marrant. Mais oui, mais c'est... Ah, il est... Bon, pour l'instant, je suis tranquille, hein. Il a que des A, des 20, des très bien. Super bien, même si je lui donne super... Ah ben oui, c'est lui le premier de la classe, évidemment, c'est lui le premier. Mais c'est lui le plus méchant, qu'est-ce que vous croyez? De toute façon, vous savez, les trop gentils, on ne peut pas les garder. Hein. Oh ben, il meurt, de toute façon, on n'a pas besoin. Vous savez, c'est... Ah oui, 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 mais il est dur. Hein. Il est... Moi, de toute façon, je mets 0. Trop gentil. Oui. Les trop gentils, ah oui, jamais. Je vois les parents d'école spécialisée, on ne veut pas être responsable parce que... Mamadou, ah ben, mais non, mais il est... Ah oui, très dur. C'est lui, vous savez, qui a lancé l'opération justice immuable contre l'ancienne directrice. Et comme à la télé, il a vu ça à la télé, certainement. Il... Ah, comme George Bush, il a... Ah, il voulait la justice. C'est lui, la justice. Eh ben, ils l'ont traqué de la directrice. Ah, pendant la, dans la récréation. Non, non, dans les sous-sols, ici, pendant la récréation. C'est 2 heures de traque, ils l'ont eu. C'est, elle a été courageuse, croyez-moi. C'est, elle est tombée sur un piège à loup. Alors, elle s'est rongée la patte, elle a continué. Bon, après, avec les traits, les traces et tout, ils l'ont trouvé, ah, dans placard à balai. 6 ans et demi, quand même, ce gamin, c'est quand même... C'est... Enfin, si je dis 6 ans et demi, mais il en paraît 25 aussi. Ah, faut que vous veniez les voir, faites attention, mais... Oh là là, là, oui, mais ça aussi, ça ajoute à la pression ambiante, vous vous rendez compte? Hein, ben oui, mais je crois qu'il a raison, faut... Vous savez, José Bové, là, avec tout... Oui, oui, non, non, je crois, tous ces produits transgéniques, les OGM, les McDonald's, tout ça, c'est pas normal, les croissances qu'on observe, nous, hein. Moi, j'en ai pas un en dessous de 2 mètres dans la classe. Ah oui, mais ça aussi, ça ajoute à la pression ambiante. Hein. Quand vous avez un gamin de 150 kilos qui vous fonce dessus avec un compas, vous faites comment? Sans compter que là-dedans, ça a toujours 6 ans et demi. Ah oui, ça vous met dans des situations pas toujours pressantes. Ah ben oui, mais imaginez quand il faut les changer, par exemple. Hein, tu as un café popo, attention. Hein. Mais oui, mais pour peu qu'ils soient excités, là aussi, il y a eu des... Ah, il y a eu des agressions. Ouais. Il y a une collègue là qui a fini dans une tournante la semaine dernière. Hein. Au milieu de la classe, comme une chaussette, à 15 là-bas. Ils l'ont jeté par la fenêtre et tout, dans mon pâté. C'est terrible. C'est... Ah oui, oh, oui, oui, c'est... ça devient bon. Bon, elle pense qu'elle était morte avant de s'écraser dans les poubelles, on espère. Mais oui, mais c'est comme ça. Mais et c'est de pire en pire, vous savez. Chaque année, on a des atrocités. Des... Ah oui, puis, ben oui, mais... Ah ben oui, le français et les mathématiques. Ben oui, c'est au programme, c'est fort possible, enfin de... Surtout pas leur parler de ça en classe. Hein. Ah ben là, espérance de vie, 2 minutes, je dirais. Ce qui les intéresse, c'est les magouilles, les arnaques et tout. Mais ils savent comment faut faire pour réussir. Hein. Ils ont... Ben voilà, ils ont vu le chef, hein, le chef de l'État. Ben oui, mais enfin, les enfants, ils sont pas bêtes, faut pas les prendre pour des imbéciles. Hein. Mais oui, mais nous, et puis faut quand même, pour nous, il faut quand même préserver notre intégrité physique, parce qu'on n'est pas préparé pour ça. Mais oui, c'est comme moi ce matin, il y en a une en classe qui a lancé l'idée comme ça de m'opérer à cœur ouvert. Comme à la télé, elle a vu ça sur Planète, je ne sais où. Ouais. Ah là, j'ai pas demandé mon reste, hein. Je me suis enfui par les conduits d'aération. Je laisse toujours la petite grille ouverte, comme ça, tac, 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 tac. Avec les portables, bon, j'ai appelé la sécurité, ils m'ont élitroyé par la cheminée, heureusement. Non mais, ce que je veux dire, il faut être sur le coup, parce que les gosses, ils sont vifs. Ah oui, puis les gilets pare-balles qu'ils nous avaient distribués, là, début de... Mais non, ça ne sert à rien, ça, ils ne sont pas armés, là, putain. Ils n'ont plus besoin.
Ah, ça, c'est le nouveau directeur, ça. Oui. C'est Yuri, ça. Fermez la porte, c'est là, c'est Sergueï, c'est son assistant. Fermez la porte, Sergueï, vous êtes gentil. Oui, le, Yuri, le nouveau directeur, il est bien. Un ancien dresseur de loups et de grizzly, oui. Du cirque Grus et tout, il a fait tout. Il est en Sibérie, il a tout fait. Hein. Ah, il est du Roval, lui, hein, oui. Ah oui, ils ont des... Voilà, ils font des rondes, quoi, avec des fauves dans les couloirs, oui. Ah, ça joue, ça. Ah oui, ça... Ah, ça charrie plus dans les couloirs. Ah, les gros chats, ça fait peur, mais tu m'étonnes, par exemple. Ah, mais il y en a qui s'est fait griffer, terminé, maintenant. Ah, ben non, mais... Oui, et ils nous mettent des cages, voilà, des cages. Ils nous installent des cages à fauves autour des bureaux, des enseignants. Hein. Ah, ben si ça protège contre des fauves, ça peut-être nous protéger, c'est vrai, il faut voir. Parce qu'il a dit, Yuri, hein, 35 ans de dressage, je n'ai jamais vu ça. Pourtant, il a tout fait, il a dressé tout ce qui est plus féroce. Hein, tout, le fennec, du machin, de, tout. Mais oui, mais là, il a dit, c'est autre chose. Là, il a dit, il faudra être patiente. Hein. La règle des 3 P, les filles, patience. Ah oui, il a dit, c'est comme les crustacés, il a dit, pareil. Il a dressé des crustacés, donc il connaît. Hein. Oui, il dressait des palourdes à un moment donné, donc il connaît. Il dit, c'est fermé, c'est comme une palourde, on ne peut pas ouvrir, on ne peut pas communiquer. Alors lui ça, disons sa méthode éducative, alors lui, il a les CM2, lui. Alors, eh ben, c'est le fouet et la récompense, c'est comme ça qu'il marche. Alors une bonne réponse, hop, il a un saut avec une boulette de viande, hop, il jette de la vie. Ah ben, les CM2, oui. Ah, le programme, ah ben non, ça n'a rien à voir. Ah ben, il fait lever la patte, l'autre patte. Il a dit, fin de l'année, il a dit, ils lèveront les deux pattes, c'est tout. Ah oui, non, il a dit, on ne peut pas faire d'un an, parler, c'était autre chose. Ah, faudra attendre 10-15 ans, hein, le temps de les habituer déjà. Ah, mais il a peur. Lui. Ah, vous ne pourrez pas le voir, il est à l'hôpital, Yuri. Ce matin, il s'est fait mordre par un CE1. Ouais. À la récréation, oui, mais lui, il va en contact, il n'a pas peur. À la récréation, ils sont dangereux, ils sont comme fous, hein, dans la gueule. Et puis les CE1, c'est les plus dangereux. Et oui, parce que même avec les cotes de maille, eux, ils ont encore des dents de lait, alors ça rentre, c'est très extrêmement... Ah oui, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Ah oui. Mais oui, les cages, oui, c'est bien, les cages. Je crois que l'Académie va garder ça. Hein. Oui, c'est bien, mais ça ne protège pas du tout non plus. Attention. Ouais. Hein, par exemple, ça ne protège pas du feu, les cages. Hein. Eh oui, Madame Biscotte, la professeure de CE1, pourrait vous en parler. Ben, ils ont essayé de l'enfumer, bon, certainement pour la faire sortir. On ne sait pas ce qu'ils voulaient faire. Eh oui, mais la pauvre, elle s'est embrasée, vous savez, petite robe en nylon, tout, le visage, tout, ah, terrible. J'étais la voir encore ce matin à l'hôpital. Terrible. Tout le visage, c'est ce que je lui ai dit. Bon, ben, c'est au moins définitivement réglé tes problèmes de lifting. Je lui ai dit. Là, non, mais ça l'a pas fait rire, la pauvre, vous savez, elle ne rit plus. Elle ne rira plus jamais, je crois. Ah oui, mais moi, je pense surtout pour les jeunes. Vous savez, moi, je suis à la retraite à la fin de l'année, mais les jeunes... Ah oui, moi, je suis en retraite, là. Ah, c'est ma dernière année, terminée, oui. Allez. Ah oh, non. Pardon? Ah ben on s'en va, on déménage avec mon mari de la région. Non, je sais pas qu'on n'y croit plus, mais je... On va s'installer dans le désert algérien, oui. Tenez-moi tranquille là-bas, voilà. Non, c'est pas ça, c'est pas qu'on n'y croit pas, c'est ce que je vous dis, mais on est fatigué, je dirais. Fatigué, oui.